Hola, on dit quoi? Nouvelle vidéo lifestyle. Dans cette vidéo, je te dis tout sur mes tatouages. I ain't coming here to tell you what I got. I'm not, just wanna share vibes and let you know my mind. Alors, dans un premier temps, je vais montrer mes tatouages dans l'ordre que je les ai faits. Et ensuite, je vais répondre à vos questions parce que je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur les tatouages. Du coup, je vais répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre ma famille Instagram. Rejoins-moi, j'y suis tous les jours, je réponds à toutes les questions. Je partage un peu ma vie, donc rejoins ma famille Instagram. Come on, baby! Donc, au total, j'ai 5 tatouages, mais il y en a que 3 qui sont visibles. Je vais t'expliquer tout ça. Donc, du coup, mes 2 premiers tatouages, je les ai faits, mais ensuite, je les ai recouverts avec un autre tatouage. Donc ce qui fait que les 2 premiers tatouages que j'ai faits ne sont plus du tout visibles. Mon tout premier tatouage, c'est l'année de naissance de ma mère que j'ai fait à mes 17 ans à Austin au Texas. Donc je faisais mes études dans une université américaine et à mes 17 ans j'ai décidé de faire ce tatouage sur ma nuque. Donc j'ai tatoué 1976 et j'étais mineure, donc pour se faire tatouer il faut être majeur aux États-Unis aussi. Franchement c'est n'importe quoi parce que je me souviens avoir demandé à une fille sur le campus de l'université de me prêter sa carte d'identité pour aller me faire tatouer parce que j'étais mineure. Et elle et moi on se ressemblait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Mais parce qu'elle était noire, ils m'ont pas posé de questions et ils ont accepté. C'est l'un des tatouages que j'aime le plus. Malheureusement j'ai dû le faire recouvrir, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Et j'essaierai de trouver des photos de ce tatouage là, même si je pense que j'en ai pas. Mais ouais, mon premier tatouage c'était 1976, l'année de naissance de ma mère sur ma nuque. Ensuite, l'été de mes 17 ans, donc j'allais avoir 18 ans, j'ai été en Côte d'Ivoire et ma tante, une tante qui est assez proche de moi niveau âge, je crois qu'on a genre 2-3 ans de différence, a vu mon tatouage et elle voulait absolument faire la même chose, mais avec l'année de naissance du coup de ma grand-mère qui est décédée, paix à son âme. Et du coup, je l'ai accompagnée. Je l'ai accompagné voir son tatoueur et son tatoueur il était au marché en Côte d'Ivoire. Donc je l'ai accompagné voir son tatoueur et elle s'est fait tatouer. Et je me souviens qu'à cette époque là je voulais absolument me faire tatouer les étoiles que Rihanna a dans le cou là. Je voulais ça. Je voulais ça. Donc sur un coup de tête, après que ma tante se soit fait tatouer, j'ai dit au tatoueur je veux moi aussi un tatouage et tout, je veux ça et tout, les étoiles et tout. Il m'a fait des étoiles, sauf que c'était pas les étoiles que je voulais. Les étoiles de Rihanna sont assez fines, il y en a plusieurs, c'est une pluie d'étoiles. Lui, il m'a fait de grosses étoiles filantes, elles étaient vraiment dans un ordre, c'était pas ouf, c'était vraiment pas ouf. Et c'est le tatouage que j'ai regretté. C'est le seul tatouage que j'ai fait et que j'ai regretté. Tout simplement parce que je l'ai fait sur un coup de tête et que ça avait pas de signification, c'était bête. Mais ce tatouage m'a pas plus dérangé que ça. C'est-à-dire que à moins que j'attache mes cheveux ou à moins que j'aille à la plage, ce genre de truc, personne ne le voyait. Donc moi-même je le voyais pas puisqu'il est dans mon dos. Donc je m'en fichais. Plus le temps passait, plus je me disais, mais en fait Yasmine, t'as un tatouage dans le dos. Certes tu le vois pas, certes tu t'en fous, mais il te plaît pas. Donc faut peut-être remédier à ça. Donc j'en parlais souvent à une amie, une très bonne amie qui a pas mal de tatouages et qui m'a dit, bon écoute, viens on va voir mon tatoueur, lui il est trop fort et il va sûrement trouver une solution pour ton tatouage, peut-être le recouvrir, peut-être faire autre chose avec et tout, allons-y. Donc on est parti voir son tatoueur et il m'a expliqué qu'il pouvait me faire une cover. Donc la cover c'est quand tu recouvres un tatouage avec un autre tatouage de base. Cette cover, elle devait recouvrir les étoiles que j'ai faites en Côte d'Ivoire et que j'aimais pas. Mais comme les étoiles étaient grave proches de mon premier tatouage, donc l'année de naissance de ma mère, il fallait recouvrir aussi l'année de naissance de ma mère parce que sinon la cover ça serait pas beau, ça serait pas esthétique en fait. Donc on a dû recouvrir aussi mon premier tatouage. Donc j'ai recouvert mes 2 premiers tatouages avec ce tatouage là qui est donc un motif tribal qu'on a fait ensemble. Je l'aime beaucoup, il n'a pas forcément de signification pour moi mais j'aime sa forme. Ah oui, j'allais oublier de dire, pour la douleur, mon premier tatouage, donc l'année de naissance de ma mère, sur 10, je dirais 6,5 parce que je suis pas douillette. Hein. Mais c'était, il y avait une partie qui était sur ma colonne vertébrale. Ensuite, pour les étoiles, j'ai rien senti du tout. Je dirais pour les étoiles, 4 sur 10, j'ai vraiment rien senti. Pour la cover, je dirais que c'était 7,5. C'est le tatouage le plus douloureux et le plus gros que j'ai eu parce qu'il est vraiment gros pour le coup. Ensuite, les 2 derniers tatouages que j'ai, le premier il est à l'avant-bras et donc c'est cette pomme avec une lune au-dessus et le soleil en dessous. La lune et le soleil c'est 2 symboles assez forts.
c'est quand même ce qui régit en fait notre quotidien. Quand il fait jour, il y a le soleil, quand il fait nuit, il y a la lune, et puis même ces deux astres qui sont très forts symboliquement. Bref, j'aime beaucoup les contes, j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup les mythes, etc. C'est vraiment un univers qui me passionne vraiment. Cette pomme avec la map monde à l'intérieur, cette pomme qui est croquée, c'est juste pour me souvenir de cette histoire qu'on m'a racontée, que ma tante m'a racontée quand j'étais jeune. Mais j'étais toute petite, j'étais en Côte d'Ivoire, je vivais en Côte d'Ivoire. Ouais, je vivais chez mon arrière-grand-mère. Ma mère, elle était en France et c'était mes tantes qui s'occupaient de moi en Côte d'Ivoire. Et en fait, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui était venu raconter le décès, qui était venu rapporter le décès d'un membre de la famille. Et je devais avoir 6 ans ou 6 ou 7 ans. Et je me souviens que ça avait beaucoup attristé tout le monde pleurait et tout. Mais moi, je ne connaissais pas cette personne, du coup, j'étais pas peinée. Mais tout le monde pleurait et tout. Et en fait, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi est-ce que les gens ils meurent et tout? Pourquoi est-ce qu'un jour, on est amené à mourir? Donc, j'ai demandé ça à ma tante et... franchement, elle n'a pas su quoi me dire pendant peut-être une heure et j'arrêtais pas de... Je me disais mais pourquoi et tout, et c'est ça qui me rendait triste. J'ai commencé à pleurer parce que je me disais mais pourquoi est-ce qu'on va mourir, pourquoi est-ce qu'on meurt et tout, pourquoi est-ce qu'il est mort et tout. Donc elle m'a raconté l'histoire de Adam et Ève. Elle m'a expliqué que Adam et Ève, bah, l'histoire qu'on connaît tous hein, de Adam et Ève qui étaient les deux premiers êtres à vivre sur Terre, que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden et que Ève a croqué la pomme qui était donc le fruit défendu et que les conséquences de tout ça c'est la mort. Donc voilà, elle m'avait expliqué la mort à travers l'histoire d'Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu de Dieu. Donc la punition de Dieu c'est que ils sont mortels à présent, ils ont été virés du jardin d'Éden et maintenant ils sont mortels et tout. Et je me rappelle que ça m'avait marqué. Ça m'avait tellement marqué cette histoire, je me l'étais mais tournée en boucle dans la tête, j'avais lu plein de choses dessus ensuite. Et voilà, donc c'est une histoire qui m'avait marquée. Il n'y a pas forcément de logique dans mes explications, c'est juste que je vous raconte ce qui m'est passé par la tête et pourquoi est-ce que j'ai tatoué ce que j'ai tatoué. Voilà, voilà. Enfin, mon dernier tatouage, donc c'est un sac yant que j'ai à l'arrière du bras, juste au-dessus du coude. Et je l'ai fait faire par le très célèbre Yantrak. Donc c'est le plus beau tatouage que j'ai pu faire. Vraiment l'expérience, le tout était magique. Vraiment une expérience incroyable. Le sac yant, c'est quoi? Le sac yant, c'est une prière bouddhiste si tu veux. Donc c'est un genre de talisman. Moi je vais expliquer la signification de mon sac yant. Mais avant tout ça, je voulais partager avec vous un peu toute mon expérience chez Yantrak. Donc j'ai pris rendez-vous. Donc si vous êtes intéressé par un sac yant, c'est dès maintenant qu'il faut prendre rendez-vous parce qu'il est tellement... Son travail est tellement qualitatif, son travail est tellement incroyable qu'il a plusieurs mois d'attente. Et là, avec le Covid, ça s'arrange pas. Donc, faut lui envoyer un mail très rapidement parce qu'il est très, très, très occupé et très, très demandé. Donc, j'étais à son atelier à Paris et j'ai lu un grand livre qu'il m'a donné. Dans ce livre, tu as absolument tout. Toute l'explication, pourquoi est-ce qu'il a commencé à faire des sacs yant, toute son initiation, tout le processus en fait. Et ensuite, tu as toute une partie avec tous les sacs yant qu'il peut faire. Et du coup, tu vois les dessins et tu as la signification de chaque dessin. Et du coup, tu choisis toi par rapport au talisman que tu veux. Tu as des sacs yant pour te protéger, pour protéger ta famille, pour attirer certaines choses, enfin bref. C'est vraiment très très complet et très personnel, donc ça dépend vraiment de chaque personne. Voilà, c'était une très belle expérience. Il m'a tatoué et pendant qu'il me tatouait, on a beaucoup échangé et j'ai vraiment senti que c'était... Enfin, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance. C'est vraiment quelqu'un qui a une très bonne aura, quelqu'un d'authentique en fait. Et c'est très important quand tu te fais tatouer par quelqu'un, que cette personne soit bienveillante. Le choix de la personne qui va te tatouer, c'est super important. Parce qu'en fait, tu prends une partie de cette personne sans t'en rendre compte. Moi, je crois trop en l'énergie, je crois trop en tout ça. Et vraiment, si tu te fais tatouer par quelqu'un de mauvais, tu absorbes en quelque sorte cette négativité puisque c'est une trace indélébile. C'est-à-dire que ce tatouage, tu l'auras dans la peau. Tu auras une partie de cette personne dans la peau. C'est le travail, l'œuvre de cette personne que tu auras dans ta peau et qui te suivra toute ta vie. Donc c'est important de se faire tatouer par des gens bienveillants, des gens... Faut que tu ressentes quelque chose de bon de la personne qui va te tatouer. Pardon, j'allais oublier. Le tatouage là, la pomme à l'avant-bras, j'ai rien ressenti, donc 3 sur 10. Et pour mon sac client, sur 10, je dirais que c'est un 5 sur 10.
c'est un 5 sur 10 parce qu'il y a quand même des os et tout, et donc j'ai ressenti vite fait de la douleur. Donc mon sakiante, le nom c'est un gaoyord. Et comme je vous ai dit, c'est une prière bouddhiste qui confère des bénédictions. Et moi, du coup, mes bénédictions, c'est la compassion, la gentillesse, la popularité, le pouvoir, l'autorité, combattre l'adversité, la chance dans le business, la bonne chance, la protection contre les catastrophes naturelles, les accidents, les violences, une bonne situation professionnelle et la protection contre les mauvais esprits. De tous les tatouages que j'ai, c'est vraiment le plus beau et c'est la meilleure expérience, la plus belle expérience que j'ai pu avoir en matière de tatouage. Et du coup, je vous le recommande carrément, vraiment une très très belle expérience et tu ne seras pas déçu. Il est spécialisé dans les sakiantes, donc les prières bouddhistes, et il fait aussi énormément de mangas animés. Donc si t'es branché animé, etc., et que tu veux te faire tatouer quelque chose en rapport avec les animés, etc., n'hésite pas à le contacter. D'ailleurs, quand je vous disais que c'était une expérience vraiment incroyable et enrichissante, c'est dans le sens où lorsque tu te fais un sakiante chez Yantrak, tu as la possibilité de faire bénir ce sakiante par un moine bouddhiste, rien que ça. Et c'était juste incroyable, c'était une expérience extraordinaire. Bon, maintenant, passons aux questions. Ton tatouage à l'arrière du cou, c'est quoi? Est-ce que se faire tatouer au niveau du dos, ça fait très mal? Je compte en faire un au dos. Alors, ce tatouage-là, j'en ai parlé au tout début de la vidéo, donc j'espère que tu as vu. Et se faire tatouer comme ça au niveau du dos, est-ce que ça fait mal? Oui, c'était le plus douloureux. Pour toi, les tatouages, ça signifie quoi? Pour moi, les tatouages, c'est juste une façon de s'exprimer, de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, notifier des moments, des dates importantes, des personnes importantes. Voilà, pour moi, par exemple, quand j'ai fait le 1976 là, sur ma nuque, bien que j'étais jeune, c'était pour notifier mon amour pour ma mère, pour vraiment avoir une trace de ma mère sur mon corps. Et voilà. Pour la pomme, comme je vous ai dit, c'est parce que je suis passionnée par les histoires et que la première histoire qu'on m'a racontée et qui m'a marquée, c'était l'histoire d'Adam et Ève, et voilà. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de s'exprimer de cette manière, et voilà. Voilà, moi j'en fais partie. Ça ne veut pas dire que je vais tatouer tout ce qui me passe par la tête ou tout ce qui est important pour moi sur mon corps, mais parfois il y a des designs et des choses qui collent et je me dis bah oui, je le veux sur mon corps. Prochaine question, comment se passe la cicatrisation sur peau noire? Pour moi, la cicatrisation se passe très bien, très vite même, parce que j'utilise que des produits naturels. Donc je nettoie le tatouage avec un savon neutre, sans parfum, sans rien. Et ensuite, j'applique une huile végétale. Après, prochaine question. Combien t'a coûté ton sakiante? Recommandes-tu ton tatoueur? Alors, je recommande mon tatoueur à 1000%. Comme je vous ai dit, il a une très belle aura. C'est une très, très, très belle personne. Mon tatouage, il a coûté, je sais plus précisément, mais ça a coûté 100 euros. Et c'est spécifique à chaque personne, en fait. C'est spécifique à chaque personne. Ça dépend de la taille du sakiante que tu veux faire, l'endroit et le sakiante en lui-même, celui que tu veux faire. Ça dépend, donc c'est vraiment très personnel à chaque fois. Je pense pas que le prix soit fixe pour les sakiantes. Faut vraiment voir avec le tatoueur. Et je te mets toutes ces informations en bas, en barre d'infos. Next! Alors, ce que tu aurais aimé savoir avant ton premier tatouage. Alors, ce que j'aurais aimé savoir avant mon premier tatouage, c'est vraiment ce que je vous ai dit. C'est-à-dire bien choisir son tatoueur. Après, concernant ta religion et les tatouages, comment allies-tu les deux? Quelle est ta philosophie? C'est une très 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 bonne question. Au niveau de la religion, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent que c'est interdit de se faire tatouer, etc. Mais je suis arrivée à un stade dans mon approche de la religion, dans ma relation avec Dieu, que je n'accepte que personne me dicte ce que je dois faire par rapport à la religion, en fait. J'ai une relation avec Dieu et c'est seulement entre mon Dieu et moi, personne d'autre. Je compte pas me recouvrir la tête aux pieds de tatouages, mais je pense pas que mes tatouages dérangent Dieu. Et voilà, je suis dans cette relation saine avec mon Dieu où j'ai l'impression que tout ce que je fais, tant que ça ne nuit à personne et ça ne nuit pas à moi-même, ne l'offense pas. Voilà. Après, c'est mon avis et comme je vous ai dit, c'est entre mon Dieu et moi et personne d'autre. Pourquoi bouddhiste? T'es pas musulmane? Voilà, on en revient à ce que je vous disais. Bouddhiste parce que c'est une prière bouddhiste. J'aime beaucoup les histoires et du coup, l'histoire du bouddhisme, de Bouddha, etc. Je l'ai lu dans son livre et c'était vraiment passionnant. Et voilà, c'est une culture qui m'intéresse et du coup, je voulais avoir ce tatouage qui est une prière bouddhiste
Et oui, je reste quand même musulmane, je suis pas en train d'adorer le bouddhisme, c'est juste que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, du coup j'ai fait ce tatouage. Hello Yalou, est-ce que tu es bouddhiste? Sinon, pourquoi te tatouer une prière bouddhiste? J'ai répondu à cette question. Ensuite, es-tu bouddhiste? Crois-tu au bénéfice de ce tatouage? Alors, est-ce que je crois au bénéfice de ce tatouage? Non, je ne crois pas qu'en me faisant tatouer ce sakyant, tout ce que cette prière prédit va se passer. Ou alors, si ça se passe, c'est de la volonté de mon Dieu, c'est de la volonté de Allah. Donc, je dis ça tout simplement parce que je ne suis pas en adoration de cette prière. Je ne crois pas en cette prière. Je crois en un seul Dieu et le seul Dieu auquel je crois, c'est Allah, c'est Dieu. J'ai fait ce tatouage non pas pour les bénéfices, etc. Je l'ai fait symboliquement parce que je trouve que c'est une culture et une religion hyper intéressante. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, sur lequel j'ai beaucoup lu longtemps. Je fais de la méditation, etc. Donc, tout ce qui est méditation et tout, ça provient du bouddhisme. Donc, c'est vraiment pour l'histoire du bouddhisme que j'ai fait ce tatouage, tout comme ce tatouage là je l'ai fait pour l'histoire qu'on m'a racontée quand j'avais 6 ou 7 ans sur Adam et Ève. Mais ça veut pas dire que je suis chrétienne. Le fait que je me suis tatouée une pomme croquée veut pas dire que je suis chrétienne. Enfin, j'espère que vous comprenez. Le fait de s'y intéresser veut pas forcément dire qu'on y croit et qu'on adore la religion, non. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller check la page Instagram de Yantra, ma plus belle expérience en matière de tatouage vraiment. Donc n'hésitez pas à aller check son Instagram, je vous mets tout en bas, en barre d'infos. Bisous.